Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Ben bonjour, M. Roméo Bouchard, puis merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, bonjour. On en a parlé beaucoup, on en a parlé toute la semaine de Catherine Fournier, mais ce n'est pas exactement nécessairement d'elle, c'est de l'après-PQ. Vous avez écrit là-dessus, même une suite, votre premier partage sur votre page Facebook. Et puis, je l'ai lu tantôt, puis vous avez entièrement raison d'après moi quand vous dites que elle se trompe juste à un endroit, c'est que c'est pas le véhicule qu'il faut... là, elle a changé de véhicule politique, c'est ça qui est arrivé, c'est là, ça. Avec... Elle propose de rassembler les... de fonder finalement un autre parti indépendantiste. Alors, le problème n'est pas là, à mon avis. Le problème, il est dans le projet indépendantiste lui-même. C'est-à-dire que si on fonde un nouveau parti indépendantiste, on ne remet pas vraiment en question ce projet-là. On pense simplement que il faut l'aborder autrement, qu'il faut en parler avec plus de force, etc. C'est toujours ça. Toutes les tentatives de redéfinition du PQ tournent toujours en rond et retombent toujours sur la même histoire. Ah, on va en parler plus, puis on va en parler autrement, puis là, le monde va comprendre. Ce n'est visiblement pas le cas. Je pense que c'est là le déni fondamental qui fausse toutes les remises en question chez les souverainistes actuellement. C'est qu'ils n'acceptent pas de voir qu'il y a une différence entre le projet d'indépendance tel que le PQ l'a toujours présenté, là, un référendum pour nous sortir de la Confédération, ça c'est une affaire, et d'autre part le nationalisme, c'est-à-dire la nationalité québécoise. La nationalité québécoise actuellement, elle existe et elle est même très forte. Même si l'indépendance n'est pas réalisée sur le plan de la souveraineté politique. T'sais. Et je pense que ce qui est en train de se produire, c'est que alors que pendant 30-40 ans, on a pensé que la nationalité québécoise était arrivée au point de se définir par la souveraineté politique, on se rend compte, depuis le dernier référendum en particulier, que c'est peut-être pas la voie par laquelle la nationalité québécoise va continuer à vivre puis à s'épanouir. C'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il y a un problème, il y a beaucoup d'inconvénients à rester dans la Confédération, qu'il y a des pans importants de pouvoir et de contrôle de nos décisions qui nous échappent, mais seulement il reste que on part pas à zéro. Et depuis 1960 à aujourd'hui, la nationalité québécoise s'est énormément fortifiée, développée. On a un État maintenant, tu sais, la grande création de la Révolution tranquille, c'était de créer l'État québécois. On est peut-être une minorité à travers le Canada, mais on a un État très, très fort. On n'est pas des Acadiens, on n'est pas des Cajuns, on n'est pas des Franco-Ontariens. On est un peuple qui est une nation, qui est reconnue comme nation. On a un État très fort, qui a toutes ses institutions politiques, ses institutions économiques, sa mentalité, ses valeurs sociales et politiques bien à lui, bien distinctes. On a des choses comme, je sais pas quoi, moi, le système, le réseau des CPE, les programmes d'assurance médicaments, que même le reste du Canada n'arrive même pas à nous suivre là-dessus, tu sais. On a la loi 101 au niveau du français, c'est pas parfait, mais ça a quand même fait faire un chemin énorme. Donc, tu sais, on n'est pas là en perdition, là. Et si, pour des raisons de contexte historique et de contexte de conjoncture politique,
on n'est pas en mesure de... On n'a pas envie peut-être de faire un affrontement constitutionnel. Ça ne veut pas dire que on n'avancera plus, là. On peut continuer à mettre beaucoup d'énergie pour consolider toute la nationalité québécoise, la société québécoise, et donc défendre le Québec autrement que par un projet référendaire de souveraineté nationale, de souveraineté politique. Trouvez-vous, M. Bouchard, que je sais que vous écoutez parfois des vidéos, parce que j'avais fait des commentaires, des vidéos que j'avais faites avec Jean-Claude Pomerleau, puis il y en a une suite à l'élection du 1er octobre, dans laquelle il dit que les francophones ont voté pour la CAQ en majorité, ouais, parce qu'ils ont réalisé que l'indépendance ne se ferait pas avec des idéalistes. Oui, c'est un fait que c'est un réflexe de pragmatisme qui comme fait que depuis aussi le référendum de 95, on se rend bien compte que c'est presque utopique là, de penser gagner un référendum et qu'il soit respecté. Parce que même si on le gagnait à 51, 52, 53%, il n'y a rien qui nous dit que le Canada ne s'arrangera pas pour empêcher que ça se fasse. T'sais, on a vu comment il était prêt à se foutre d'à peu près toutes les règles du jeu à la dernière fois. Donc, il y a toutes sortes de facteurs aujourd'hui dans la réalité mondiale, la mondialisation en ce moment, l'importance de l'immigration. Il y a plein de facteurs historiques nouveaux qui font que une guerre constitutionnelle, un affrontement constitutionnel, a peu de chances de réussir. Et somme toute, risquerait de nous embarquer dans un combat qui est pas forcément indispensable en ce moment. Et peut-être pas les gens sont pas contre l'idée, ne se comprennent qu'on aurait des avantages à avoir l'indépendance. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine, là, de faire ce combat-là actuellement? Est-ce qu'on peut pas continuer à défendre les valeurs québécoises et l'identité québécoise et le pouvoir du Québec autrement en agissant sur le terrain, en se tenant debout dans tous les secteurs et en développant, en s'assurant de maintenir le français bien vivant, la culture, etc. On part pas à zéro, là. On n'est pas en 1960 non plus, là. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de gains depuis 1960. Est-ce que vous avez vu la dernière capsule vidéo que j'ai faite avec M. Pomerleau qui parle de la crise constitutionnelle inévitable avec l'élection qui va avoir lieu en Alberta au printemps? Ils veulent absolument le parti de Jason Kenney, d'abord est favori là, là-bas, oui, et pas mal sûr de l'emporter. Puis dans son programme, il y a l'article D3 qui va faire que il va y avoir un référendum. C'est pas la province pour faire des référendums, mais un référendum bien spécial qui va forcer le gouvernement fédéral à ouvrir une ronde constitutionnelle, plus spécialement sur l'article 36, si je me trompe pas du numéro, là, de la Charte canadienne de 82, qui parle du programme de la péréquation. Ouais. Ils veulent plus payer la péréquation. Il peut y avoir toutes sortes de ce déplacement-là de l'insatisfaction constitutionnelle vers les pays anglophones, les provinces de l'Ouest est très, très significatif. Puis ça démontre bien qu'il peut y avoir, au cours des prochaines années, des nouvelles situations qui vont déplacer le débat où là, tout à coup, la question de l'indépendance peut revenir à la surface. Les gens sont pas contre ça. C'est que en ce moment, le contexte n'est pas particulièrement favorable. C'est sûr que les gens se sont rabattus sur la CAQ. Ça leur paraissait plus pragmatique.
Mais la CAQ n'est pas garantie de réussir non plus, là. La CAQ, vous dites qu'elle repose sur le sable. C'est ça, il y a beaucoup d'incohérences là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour la CAQ parce que ils voulaient un changement de gouvernement, mais ils n'étaient pas forcément d'accord avec tout le programme de la CAQ. De sorte que l'avenir du nationalisme québécois ne se réglera pas par la CAQ. C'est une mais étape. Mais sa demande de rapport d'impôt unique, de récupérer son pouvoir, notre pouvoir de taxation, c'est déjà quelque chose. La loi sur l'immigration. Et oui, les demandes sont charte. Intéressantes, oui. Sont très, très mais intéressantes. Oui. Et comme oui. Je disais, pour élargir notre espace de souveraineté. Maintenant, visiblement, là, ça sera pas accepté d'Ottawa. Comment tout ça va tourner, c'est difficile. Avec la clause dérogatoire? Comment? Avec la clause dérogatoire? Oui, mais... clause dérogatoire pour la laïcité, ça peut aller, mais pour pour l'immigration, ça ne règle rien. On ne peut pas se servir d'une clause dérogatoire pour la question du rapport d'impôt non plus, là. La clause dérogatoire, ça ne sert pas pour tout, ça sert quand c'est les droits de la personne qui sont en cause, t'sais. Alors, on n'en est pas... moi, je pense que c'est clair que c'est pas dans un mouvement indépendantiste qu'il faut chercher à aller en ce moment. Et dans ce sens-là, Catherine Fournier, à mon avis, fait simplement du surplace, là. La CAQ n'est pas la solution définitive non plus, là. Je crois que il y a de la place là pour une troisième voie en ce qui me concerne. Tu sais, parce que Québec solidaire, c'est un peu pareil. C'est un parti tout croche en ce moment qui est bourré de contradictions, puis dont beaucoup de votes même sont allés, qui l'a recueilli, sont des votes un peu par défaut sur l'écologie, sans trop savoir ce que ça veut dire. De sorte que je pense que moi j'ai toujours je postule déjà depuis une couple d'années sur l'idée d'une troisième voie qui serait beaucoup plus axée sur la question de la démocratie, sur la question de la souveraineté du peuple, et ce qui n'exclut pas la souveraineté de l'État, non, mais la souveraineté de l'État fait partie d'un nouveau projet de société très très démocratique, très égalitaire, et où on s'occuperait majoritairement de la participation des citoyens aux décisions, des inégalités sociales, de la transition écologique et bien sûr de l'identité et l'affirmation du Québec, tu sais, du maintien comme, d'une société. Mais je pense qu'on sortirait là de la game dans laquelle on est depuis très longtemps entre fédéralistes et indépendantistes. Là, je sais qu'on va discuter dans un des sujets, c'est l'avenir de nos villages, parce que vous êtes vous vivez dans les régions qu'on appelle, et puis nous, dans la grande ville, comme on les appelle aussi, on est même le mot est pas trop fort, forcés de vivre avec de plus en plus de gens de différentes provenances avec les gens de l'immigration. Et on s'aperçoit, moi comme les autres, que c'est l'intégration n'est pas un phénomène que tout le monde auquel tout le monde participe. Les bizarrement, oui, allez-y. C'est un énorme défi. Tu sais, quand je dis qu'il faut redéfinir la lutte, l'émancipation de la nationalité québécoise en fonction des problèmes contemporains d'aujourd'hui, ben la question de l'immigration, la question de la diversité, du métissage de l'humanité en ce moment, c'en est une donnée majeure qui n'était pas là il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a plein de nouvelles réalités comme celle-là, t'sais. La crise écologique, c'était pas là avant, tu sais. La crise de la démocratie, les États qui n'ont plus de pouvoir à cause des ententes de libre-échange, des multinationales, c'était pas là avant, ça. La question de l'anglais, de l'omniprésence de l'anglais, en fonction des réseaux sociaux, de toutes les réseaux culturels 2.0, ça aussi, c'était pas là, tu sais. Alors, je pense que
il faut que, je pense que les solutions qu'apporte la CAQ d'une part et Québec solidaire d'autre part ne sont pas satisfaisantes, ne sont pas suffisantes en ce moment. Ce sont des solutions par défaut, puis elles reposent sur beaucoup de contradictions et d'incohérences. Donc, quand je parle d'une nouvelle voie qui devrait redéfinir l'avenir du Québec en fonction de toutes ces nouvelles réalités-là, c'est sûr que ce que Montréal vit par rapport à la diversité ethnique, diversité culturelle, c'est une donnée que tout le Québec doit prendre en compte, t'sais. Et là-dessus, la CAQ a misé sur une division très, très importante. Elle a fédéré les banlieues et les régions contre Montréal. On peut pas aller bien loin avec ça, là. C'est pas sain comme mouvement collectif, tu sais, comme perspective, comme la nationalité québécoise. La réalité montréalaise, on doit pouvoir l'intégrer, et ce défi-là face à la diversité, je pense qu'il faut l'intégrer. Moi, j'ai toujours dit, toujours depuis quelques années, il faut l'intégrer à travers la notion de démocratie, de citoyenneté. Tu sais, il faut mettre à l'avant le fait qu'on est tous des citoyens québécois. Et ça nous permet d'être tous égaux, d'être contre toutes les discriminations, d'être tous égaux, d'être tous libres, d'être tous solidaires aussi, et d'avoir une base culturelle commune. T'sais. Mais vous savez bien, M. Bouchard, que y a des gens qui vont émigrer ici, puis qui, on va prendre juste une image, un portrait, la France. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en France? C'est peut-être ce qui se passerait ici dans 10 ans. Je sais que c'est pas le même volume de gens, etc. Mais la démographie parle puis très fortement, puis elle ne nous trompe pas. On dit qu'en 2035, si ça continue comme ça, justement, les francophones québécois d'origine de souche vont être minoritaires ici au Québec. Oh, mais ça, on fait pas d'enfants, puis il y a des nationalités qui en font beaucoup d'enfants. Ouais, parce que c'est dans leur religion d'en faire. Le problème, c'est pas le nombre d'immigrants. Le problème, c'est la façon dont on va faire l'intégration de tout ça. Tu sais, je vais prendre un exemple. Quand j'ai fait ma relecture de l'histoire, j'étais frappé comment la révolution féminine, la révolution du statut de la femme au Québec au début des années 60 a été rapide et a été fulgurante. Oui. On vivait dans une société où les femmes n'avaient pas de place, de statut dans les fonctions d'autorité. Et en l'espace de quelques années, on s'est habitué, on a accepté et on s'est habitué à voir les femmes envahir littéralement les institutions et la société québécoise. Dans les cégeps ont ouvert la porte aux filles pour l'éducation supérieure. Ils sont entrés massivement. En l'espace de quelques années, dans plusieurs facultés, ils sont devenus pratiquement 50% de la population étudiante. Au point de vue création artistique, au point de vue, tous les métiers ont été... c'est sûr que dans les postes de direction... L'ascension est plus lente un peu parce que il faut laisser le temps que les formations se fassent, que la culture évolue de ce côté-là. Mais il reste qu'aujourd'hui, au Québec, on vit avec des femmes partout en position d'autorité. Et on n'est pas moins québécois pour autant. Au contraire, on considère que c'est une des caractéristiques les plus sympathique de la société québécoise, et les gens de l'extérieur, les Français, tout ça le reconnaissent, que cette place qu'ont les femmes, puis cette décontractée qu'ont les femmes dans la société québécoise. Pourquoi est-ce que le même phénomène, on peut pas s'y faire et l'intégrer
avec des gens d'origine différente. À travers toute l'histoire du Québec, on l'a fait. On l'a fait avec les communautés autochtones au début. On s'est mélangé beaucoup avec eux et on a beaucoup pris d'eux. Après, ça a été les Irlandais. Les Irlandais, il est venu énormément d'Irlandais. Mais M. Bouchard, c'est pas la même immigration qu'on a maintenant. C'est plus la même immigration qu'on a maintenant, là. Ben, c'est les sûr gens que qu'on voit arriver ici, c'est des femmes voilées. Les caractéristiques plus récentes de l'immigration, c'est que là, on est sorti de l'Europe. T'sais. Avant, on avait des immigrants venant d'Europe. Évidemment, on avait plus de bases en commun. Là, on fait face à une immigration qui vient du Moyen-Orient, qui vient de l'Asie. Donc, le fossé culturel est beaucoup plus grand. Mais c'est à nous, là, d'où l'importance Mais comment on fait pour faire une enlever loi le sur voile la à une femme? laïcité. C'est à nous Ah, ben oui, ben d'établir c'est un ça. minimum Ben oui. requis pour que la citoyenneté québécoise soit le lien commun de tout le monde. Si on Ben, c'est laisse pour ça. aller les ghettos, puis qu'on Ben oui. favorise les ghettos, comme le fait l'idéologie que défend Québec solidaire, comme le font plusieurs inclusifs, là, Ben c'est oui. sûr que on va avoir un problème national. Ça, c'est Ben certain. oui. C'est Mais pour ça que le... si Oui. on prend les on fait ce qu'il faut faire pour que la citoyenneté québécoise commune soit bien présente, se développe, ben on va faire comme on l'a fait pour l'exemple que je donnais pour l'invasion des femmes. Oui, ça Bon, c'est sûr. c'est que là, on a pris du retard depuis une quinzaine d'années. On a eu affaire à un laisser-faire des gouvernements libéraux. On a C'est eu surtout le des fédéral idéologies aussi. Ben oui. multiculturalistes canadiennes Ben qui oui. se sont Ben oui. implantées. On a tout le courant là, des inclusifs, des intersectionnels et tout ça, des racialistes, qui a pris énormément de place et on a été déboussolés depuis 2 ans. Tous les débats sur l'appropriation culturelle, toutes ces histoires assez farfelues, ont déboussolé les gens, beaucoup au Québec là-dessus. Mais il faut Oui. se ressaisir et au nom tout simplement des principes élémentaires d'une démocratie, citoyenneté commune, poser les balises là où il doit y en avoir de poser, mais ne pas laisser se développer l'impression qu'on va se faire complètement submerger et annihiler par ces vagues-là. Le métissage, tout dépend comment on le fait. Hein? Mais si on fait rien, oui, on va se faire, Oui, on va on le voit perdre, très on va bien. Ce qui s'est devenir, passé oui. depuis 2, 3 ans montre bien que ça peut Oui. être tout à fait dangereux. C'est ça, C'est exactement. tout à fait dangereux, tout à fait malsain, parce que c'est revenir à une approche très raciale et très ethnique de la société, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de société. Ce n'est plus une C'est ça. société de citoyens, c'est une société de communautés différentes qui sont toutes en train de se défendre l'une contre l'autre. Exactement, exactement. C'est pas une façon de vivre nulle part, ça. Mais on le voit très bien si on veut jeter un coup d'œil dans différents pays européens, avec la différence que où est-ce qu'il y a de la volonté politique? Il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de comme M. Orban qui lui Oui, se mais fait c'est parce beaucoup que cri là, oui. c'est qu'on a tellement laissé, on est tellement allé vers l'inclusion, tout azimut, sans balise, que finalement, le contrepoids est venu des gens de droite, d'extrême droite, qui finalement développent la théorie qu'on vient d'entendre là, en Nouvelle-Zélande, là, du grand remplacement. C'est-à-dire l'idée que là, c'est une question de temps, que les immigrants, les étrangers vont remplacer la population nationale d'origine. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est aussi dangereux que les inclusivistes. Parce que c'est du racisme carrément, là. Ça mène, c'est alimenté finalement la plupart du temps
par le racisme, c'est pas une façon de fonctionner. Tu sais, c'est clair que le métissage, c'est une chose qui a toujours existé d'abord dans l'humanité. Il y a toujours eu des grandes migrations qui se sont produites à différentes époques. Et c'est clair que dans la vie mondiale actuelle, et avec les drames écologiques qui s'en viennent, il va y avoir d'énormes migrations. Beaucoup plus que ce qu'on a en ce moment. Les migrations écologiques vont être énormes. Alors, il faut être capable de raisonner, mais seulement, actuellement, on va d'un extrême à l'autre. On voit des gens qui disent, ah, ben, la nation, ça n'existe plus. La nation, c'est une fausse notion. C'est le multiculturalisme qui doit exister. Puis t'as l'extrême droite qui réagit en disant, ben, il faut mettre des murs, il faut arrêter parce qu'on va être submergé puis on va être détruit. Les deux sont une erreur. Sûr que le grand capital ne veut pas avoir de frontières et la gauche rejoint le capitalisme, le grand capital sur cette notion-là. Ils veulent pas de frontières. Une certaine gauche, c'est ça qui est malheureux, gauche. C'est qu'actuellement, la gauche qui a toutes les tribunes, c'est cette gauche-là, multiculturaliste, oui. qui est très... Oui. qui fait l'affaire. Fait l'affaire du néolibéralisme, comme vous dites. Mais seulement, il y a une autre gauche qui n'est... On n'est pas obligé, si on n'est pas d'accord avec les inclusivistes, on n'est pas obligé d'être Marine Le Pen, là, tu sais. Mais vous ne trouvez pas aujourd'hui qu'on parle davantage de souverainisme versus mondialiste ou globaliste que gauche versus droite? Oui, mais ça dépend comment on en parle. Moi, je crois que la nation est encore une réalité, puis très importante, parce que, tu sais, on est un citoyen du monde, ça veut rien dire, tu sais. Il faut une communauté plus concrète que ça pour créer un espace où peut s'exercer la démocratie. Dans ce sens-là, la nation, faut garder le concept de nation, faut garder le concept de citoyenneté nationale, comme je l'expliquais tantôt, mais seulement, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure complètement l'ouverture au métissage. Parce que ça, non, mais est-ce que ça se dit sans se faire traiter de raciste? Est-ce que ça se dit, vous êtes au Québec, vivez comme au Québec. Quand on va dans un autre pays, on vit comme sa vie dans ce pays-là. Ben moi, je pense que quand on réagit comme ça, c'est-à-dire qu'on dit, ben, ceux qui viennent ici, vivez comme nous autres. C'est pas tout à fait suffisant. C'est clair que si vous venez ici, il faut respecter ce qui fait partie de la citoyenneté commune de ce qui nous réunit comme Québécois. Maintenant, ça veut pas dire que vous avez plus le droit d'être vous devez complètement oublier votre culture d'origine. T'sais? Non, mais votre sphère privée puis votre sphère publique, la sphère privée et publique. C'est ça. Tout est dans les balises qu'on va mettre là-dessus au niveau de façon à protéger le tronc commun qu'on veut qui nous définit comme Québécois. Mais ça, il faut quand même ajouter, il faut aller un peu plus loin. T'sais. Il faut être clair qu'on est contre les discriminations, que si on accepte des immigrants, on va tout faire pour pas qu'ils soient discriminés en raison de leur origine. Mais en premier, on veut pas être discriminés, nous, en premier. En premier, c'est nous qu'on veut. On veut plus se faire traiter de raciste parce qu'on dit quelque chose. Je sais qu'on a un contentieux actuellement. On est un peu écœuré là parce que la tendance multiculturaliste nous a mis sur un pied de défense. Tu sais, on se fait accuser, comme tu dis. Moi, le premier, je me suis fait accuser largement d'être xénophobe et tout ça, tout simplement parce que je n'admets pas. Tu sais, sans dire un mot, là, les dogmes du multiculturalisme ou des racialistes, tout ça. Mais bon, il faut se débattre. Moi, j'ai décidé que je ne laissais pas la tribune à ces gens-là,
que j'étais capable d'expliquer que j'étais pas raciste, que j'étais pour un respect des immigrants qu'on accepte, puis ils avaient ils sont transplantés dans notre culture, mais ils avaient une culture avant, ils n'ont pas à la renier du jour au lendemain de A à Non, Z, mais ils s'intègrent mais pas. il y a un tronc commun au Québec. Il y a C'est une ça, citoyenneté exact. commune, il y a une langue Oui. commune, il y a une Oui. culture commune, il y a une histoire commune. Ils doivent être en mesure de le partager. Et la laïcité, mais c'en est un chapitre, tu sais. Sur la Et le voile, laïcité, ça se porte à la ils ont maison. leur religion, mais pas au Oui. point qu'elle envahisse les services publics. Exactement. Puis les écoles, l'enseignement, ça C'en se est fait un la tête service public, dégagée. c'est peut-être Exactement. le service de citoyenneté le plus important, l'éducation. C'est là Voilà. qu'on transmet les valeurs communes de la citoyenneté québécoise. On Ouais. devrait, du moins. Alors, c'est pas la place pour aller parader avec toutes ces bébelles religieuses. Non, absolument pas. On commence par le voile. Faut le nommer. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que la loi Mais sur c'est la quoi le laïcité problème, devrait Monsieur s'étendre Bouchard? y compris les CPE, puis compris les directions d'école, puis elle devrait aussi s'étendre à l'Assemblée nationale. Il y a aucune. Oui. Moi, je ne crois que c'est pas légitime qu'un député ait des signes religieux. Le député, même s'il a été élu par ses électeurs qui l'ont élu avec son chapeau sur la tête, qu'une fois qu'il est à l'Assemblée nationale, il est législateur pour l'ensemble du Québec. Donc, il n'y a pas d'affaire à afficher. Qu'est-ce que vous dites, j'aime beaucoup, la nationalité québécoise se porte bien, est encore très vivante. C'est vos paroles. Oui, je crois. Je crois que Oui. le fait que l'option de l'indépendance aille très mal, puis qu'on dise qu'elle n'est plus pertinente, nous fait oublier que c'est pas la c'est le projet d'indépendance du PQ qui va mal. C'est pas la nationalité québécoise nécessairement. La nationalité québécoise, elle est pas con, elle comme je l'ai dit tantôt. C'est sûr que le fait d'être dans la Confédération nous prive d'un certain nombre de pouvoirs importants qu'on aimerait bien avoir, puis qu'on doit continuer à essayer de gruger, mais seulement on ne part pas à zéro. Comme je dis, on n'est pas des Acadiens, tu sais. On a un territoire bien précis à nous, qui est immense, qui est très, très, très grandiose même. On a un État, on a une loi 101, on a la Caisse de dépôt, on a Hydro-Québec, on a un système d'éducation exceptionnel, accessible à tout le monde presque gratuitement, jusqu'en haut. On a des entreprises spéciales, on a des domaines d'excellence, on a un rayonnement culturel à travers le monde. On est une nation extrêmement dynamique, reconnue pour sa créativité, pour son égalitarisme. On est un des pays qui a le système de solidarité sociale le plus développé. Donc, les inégalités sociales sont parmi les plus faibles, même en Occident. Alors, tout ça, c'est pas les signes d'un peuple qui est en train de mourir, là. Au Non. contraire, la langue est attaquée beaucoup actuellement Oui. par le 2.0, tu sais, c'est certain, puis ben, par le mondialisme, le cosmopolitisme. Mais il faut y voir, et c'est à nous autres d'y voir. On a fait la loi 101, on peut en faire d'autres. Tu sais, ça nous autres, là, de là-dessus, on n'est pas On est vite, mou? c'est patent, là, on est très mou, là. Et c'est même Ouais. pas une question d'imposer la langue, tu sais. Comme, tu sais, il y a plein, plein de choses qu'on pourrait faire, là, au niveau de la langue qu'on ne fait pas, pour la fortifier, parce que c'est vrai qu'elle est mise à dure épreuve avec, on va le voir, il y a un documentaire qui va passer cette semaine à Télé-Québec, qui n'est pas très encourageant, là, qui montre que presque 70% des jeunes de moins de 24 ans considèrent qu'on devrait à affaiblir la loi 101
pour permettre l'étude, faire les études en anglais, même à partir du primaire. T'sais. Et dans la ville de Québec, ça monte à 85 % les jeunes qui voudraient pouvoir étudier en anglais à partir du primaire. Ça veut dire qu'il y a un désir d'être bilingue parce qu'on est à côté de la grosse puissance américaine. C'est ça, puis on pense que pour être bilingue, il faut sacrifier l'éducation dans la culture de base et la langue commune. Ça, c'est très grave. Tu sais, on a un gros travail à faire là-dessus, tu sais, puis sur d'autres domaines aussi. Mais ça, on peut le faire, là, sans faire un référendum pour l'indépendance, là. On a tous les pouvoirs pour faire ça. On a toutes les institutions pour faire ça. Tu sais, je pense que dire qu'on veut pas faire un référendum sur l'indépendance pour le moment, que c'est pas indispensable, c'est pas une priorité, ça nous excuse pas de faire d'autres choses qui nous est possible, qui ouais, est moins, quand c'est référendum, moins ouais. de nous embarquer ouais. dans un drame, tu sais. Oui, oui, mais comme je l'avais dit tantôt, un référendum, là, faut oublier ça, parce que le Canada, on n'est même pas sûr qu'à 5, même à 65 % qu'il l'accepterait. Il s'arrangerait pour nous le faire tomber. C'est ça. Fait que ça, c'est le Canada, bon, faut être réaliste dans nos combats. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est des combats pour améliorer le Québec, élargir notre pouvoir, notre espace de souveraineté au Québec, d'identité, de renforcer notre nationalité. On en a des combats à faire à la pochette, tu sais. Est-ce que c'est toujours avec des lois qu'il faut fonctionner ou il y a une question d'éducation? Qu'est-ce qui... Comme là, vous dites, là, vous faites un livre sur une espèce de retour sur l'histoire. Il n'y en a plus d'histoire dans les écoles. Oui, ben c'est évident qu'on a un problème. On a été très mou, on est très négligent sur la question de la langue. Et on a été très, très négligent, ce qui est encore plus grave, sur la question de l'éducation. On a une génération là complète qui a pas eu d'éducation civique, qui a pas eu d'éducation citoyenne, qui a pas eu une vraie initiation à l'histoire du peuple québécois. Est-ce que c'est la génération qui veut parler anglais dès le primaire, ça? Non, mais tu sais, on n'a pas enseigné l'histoire comme de façon sérieuse. On a enseigné l'histoire toute désorganisée, puis dans une optique multiculturelle, puis une optique, oui, oui. Tu sais, très souvent là, aujourd'hui, là, les gens développe il y a une vraie idéologie qui est plaquée sur notre histoire. On est un peuple de blancs, colonisateurs, suprémacistes. Même dans les universités, génocidaires. Hein? On a fait un génocide avec les Indiens. Toutes sortes d'affaires qui sont tout à fait tout croche en termes d'interprétation historique. Là. Donc, oui. L'histoire n'a pas été enseignée ou elle a été mal enseignée. Ensuite, on a cette génération-là, depuis 15 ans, subi le cours d'éthique et culture religieuse, qui est taxé complètement sur l'inclusion, le dialogue, le respect de toutes les tendances religieuses ou autres. Allant jusqu'à l'intérieur, quoi. Au pluralisme par le respect de toutes les différences. Okay. Ce qui n'est pas faux dans un sens, mais si on explique seulement cet aspect-là, c'est clair que on détruit complètement la possibilité d'une citoyenneté commune. Oui, oui. Tout le monde a les mêmes droits, tout le monde est égal, on est tous des immigrants, tout le monde tout le monde a raison, toutes les religions sont bonnes, ça marche pas, ça. On peut en pas plus aller dans ça. Alors, le système d'éducation depuis 15-20 ans, on a été très, très imprudent avec ça, et c'est un domaine sur lequel on a beaucoup de travail à faire. Et ça aussi, on n'a pas besoin d'avoir l'indépendance pour ça. Là. On a complètement le pouvoir. Tu sais. Sur les richesses naturelles, on parle souvent de ça. Tu sais. Les richesses naturelles, c'est une juridiction exclusivement provinciale. Tu sais, les politiques minières, forestières,
sur l'eau, sur le sur l'hydroélectricité. On est entièrement maître de faire ce qu'on veut là-dessus. On les aurait donnés avec les libéraux ça aurait été un buffet pour les compagnies étrangères. Oui, ben oui, justement. Ouais. Mais seulement, c'est pas à cause du fédéral, là. C'était non, les non, Québécois mais, qui faisaient ça, là. Je veux pas mettre la faute sur personne d'autre. Je veux voir qu'est-ce que nous, on peut faire. Parce ben qu'en mettant la faute sur quelqu'un, là, c'est ça qu'on oublie. Moi, je te dis qu'on peut faire énormément. Puis, oui, c'est ça. Tout en ayant peut-être toujours à cœur d'améliorer, d'augmenter l'espace de souveraineté du Québec. Absolument. Et que cette obsession-là qu'on a sur le référendum sur la souveraineté finit par être une sorte de maladie. C'est malsain. Ben, c'est pas Lionel Groulx qui disait « Faites-la, parlez-en pas ». Hein? Ça nous braque sur un outil qui n'est pas pertinent, qui n'est pas accessible. Non, parce qu'on veut pas la faire avec des idéalistes. On veut la faire avec des gens pragmatiques. On veut que ça soit frais, concret. Et malgré tout, même si c'est loin d'être parfait, c'est ça que les gens aiment avec la CAQ actuelle. C'est qu'ils ont l'impression que la CAQ, là, ce gouvernement-là, essaye de voir comment on peut faire pratiquement les choses, puis en fonction du Québec, puis du meilleur pour le Québec. Puis on a l'impression que là, on travaille ensemble pour nous autres. En tout cas, une majorité des francophones a décidé de voter pour la CAQ. Faut surveiller la clique économique, là, comme vous l'appelez, là, avec son réseau affairiste qui est le même que le Parti libéral. Il n'existe pas 25 réseaux affairistes au Québec, là, il y en a un. Et puis, c'est lui qui se tient proche des partis qui pourraient tenter, comme la CAQ. Ah oui, c'est sûr que le côté de droite de la CAQ, là, c'est ça. C'est toute l'entreprise privée, puis le développement économique, puis toujours en opposition avec les autres valeurs, que ce soit écologique ou autre. Ben là, il faut des emplois, puis il faut développer. Le gazoduc au Saguenay, c'est un bon développement parce que ça va amener beaucoup d'investissements. Hein, puis ça, c'est le côté CAQ, là. Tu sais, c'est le côté de Mario Dumont. Quoi que Mario Dumont, il a fait parler de lui récemment. Vous en parlez, vous aussi? Oui, on remarque qu'il a fait sa série de trois petits articles qu'il a fait à propos de l'indépendance. C'est très intéressant. D'ailleurs, il n'est pas le seul à penser ça. Il y a plein de chroniqueurs. De bons politiques comme Herman Gay et tout ça, qui font le même raisonnement que dans le fond, le PQ est victime de son succès, tu sais. Le PQ a amené beaucoup de réformes au Québec qui ont donné beaucoup plus de pouvoir et de rayonnement au Québec, tellement que l'indépendance, la souveraineté politique comme telle apparaît comme moins urgente aux gens. Tu sais, en 1966-67, on aimait ça là, quand le FLQ faisait sauter les boîtes à mal ou bien faisait sauter le monument de Wolfe et tout ça, tu sais. Parce que là, on était vraiment écœurés, là. Ça nous atteint. Ça nous démoralisait tous les jours de sentir ça. Mais aujourd'hui, au Québec, les gens, là, surtout avec l'importance de la société de consommation qu'on vit, comme Mario le disait, là, quand les gens reviennent de travailler chez eux le soir, là, c'est pas à ça qu'ils pensent, là, que à l'indépendance. Non, mais c'est ça. C'est moins des côtés... c'est moins le ben, c'est encore beaucoup, oui, le multiculturalisme, etc. Le fait qu'on n'aime pas, puis que... mais c'est plus subtil maintenant, là. C'est plus insidieux. C'est à travers il faut être très prudent, parce que c'est certain qu'on est embobiné là, dans le système, puis le système officiel, consommation, tout ça, est encore beaucoup plus sain que dans les années 60. Ben oui. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui échappe. Puis même les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, là, ils sont les premiers à être complètement sous l'emprise des grandes de Netflix puis de Spotify, tu sais.
Ben oui, c'est ça. Ben oui. Sauver la planète, là, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils s'aperçoivent qu'ils Chauffer font là pas trop partie de la vite. machine, Ouais. Ben oui. qui éreinte la planète. C'est C'est pas rien ça, que exactement. leurs parents, là, qui créent un Ouais. problème. Eux autres-mêmes en créent un très gros problème. Ben voilà. Monsieur Bouchard, l'avenir des villages, qu'est-ce que c'est? Très important. Oh. Il y aura toujours. C'est sûr que les grandes villes, les mégacités, c'est la grande réalité aujourd'hui dans le monde. Les mégacités, c'est les milieux de champs où il y a les échanges, puis on est dans une économie d'échanges, puis de libre-échange, etc. Dans ce sens-là, les mégacités sont devenues l'espèce de pieuvre qui absorbe tout. Qui siphonne tout le territoire. Tout le reste des territoires, en dehors de. C'est un peu dans une relation de centre à périphérie. Tout ce qui est périphérie se dégrade. Plus on s'éloigne des grands centres, plus ça se désintègre. Plus ça devient moins autonome, plus dépendant. C'est absolument affreux ce que ce système-là crée. Ça a créé des États très centralisés, très centralisateurs aussi. Et le Québec en est un des États très, très centralisés, hein, au niveau territorial, donc au Ouais. niveau des pouvoirs, de l'exercice du pouvoir. Donc on a un gros, gros problème, mais c'est sûr que les villages, les régions plus éloignées actuellement, sont en très mauvais état. Et se détériore constamment à cause de ça, à cause de cette dynamique-là, centre périphérique. Et même à l'intérieur de chaque région, la ville centrale, souvent comme Rie ou la ville de Saguenay ou tout ça, la ville centrale de la région va pas trop mal, même sa population augmente. Mais la périphérie à l'intérieur de la région, elle-même, plus on s'éloigne, comme ici, je sais pas si je sors de Rivière-du-Loup, je fais 15 minutes là dans les terres. Ben là, je vais trouver les villages en complète déconfiture. Tu sais. C'est tout à fait tragique. Alors, Quand vous dites il en faut complète combattre ça. déconfiture, c'est C'est quoi? clair que quand je parle d'une orientation beaucoup plus d'un parti, d'une troisième voie qui serait beaucoup axée sur la démocratie, la participation des citoyens aux décisions, tout ça, la décentralisation de l'État. Et des pouvoirs démocratiques, des décisions démocratiques, ce serait extrêmement important. C'est une chose qui n'existe pas au Québec, là. Le pouvoir, les régions ne sont pas des entités politiques qui ont des gouvernements autonomes élus. Ils devraient l'être. Là-dessus, on est même bien loin en arrière de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, qui ont tous des gouvernements régionaux élus. Ouais. Ensuite, là, la transition écologique va peut-être changer des choses. Parce que les mégacités, c'est inviable. Ce n'est pas viable pour l'avenir dans une optique écologique. Non, pour le monde. Les Les déchets, ça, mégacités, oui, c'est ça. ça amène des systèmes de transport énormes. Toutes les La ville ne produit rien de ce dont elle a Ouais. besoin pour vivre. Elle Ouais. l'importe de partout. Elle exporte ce qu'elle produit partout. De sorte que c'est une machine à gaz à effet de serre, une ville. Les mégacités. Une économie organisée autour des mégacités, c'est une économie carbonisée au bout. Alors, c'est sûr, on le dit aujourd'hui, il faut aller vers des communautés beaucoup plus autosuffisantes au point de vue alimentaire, au point de vue de petites entreprises locales. Donc, il va falloir faire un mouvement peut-être de retour un peu à la décentralisation, à la relocalisation de l'économie, de la vie sociale, de la vie politique. Dans ce Encore une sens-là, fois, il y a des signaux d'alarme très, mais personne ne les voit encore, c'est ça? non, non, ça, on ne fait pas le lien. On ne fait pas le lien. C'est ça que. Tu sais, je suis bien heureux là, que tous les jeunes soient dans la rue pour l'écologie, tout ça. T'sais. Mais pour le moment, ça reste très, très, très théorique puis très abstrait.
On ne descend pas dans le concret des changements qu'il faut faire, des stratégies qu'il faut développer. Parce que ça demande beaucoup plus de travail, puis ça demande beaucoup plus de réalisme aussi, beaucoup plus de nuances. Tu sais, c'est facile de dire on veut pas de troisième lien à Québec. T'sais. Mais là, demain matin, là, pas de troisième lien, là, peut-être que c'est la merde, là. C'est pas si simple que ça, là. Le monde, ils doivent aller travailler. Et on a organisé les banlieues, les villes, de sorte qu'il faut que le monde se déplace. C'est bien beau, là. Les gens, ils ont pas ils se déplaceront pas comme des oiseaux, là. T'sais, donc, il y a plein de choses à modifier, là, si on veut que ce soit possible, que les gens aient plus d'auto. Oui. Ce qui se passe en France dans le moment avec les gilets jaunes, là, moi, je veux juste parler du début. Ça a commencé par une complainte réaliste sur le prix de l'essence qui était obligé, parce que eux ont été poussés vers les régions parce qu'ils étaient plus capables de vivre en ville, dans les grands centres. Ça devenait trop... ça prenait trop d'argent à vivre en ville. Ils ont été obligatoirement déplacés vers les régions. C'est pas de ça dont vous parlez, là. Ça, c'est le phénomène de banlieusards, ça. C'est-à-dire, les banlieues se sont créées parce que les gens n'arrivaient pas à vivre en ville et ils avaient plus d'aisance. Pas les moyens, oui. Et maintenant qu'ils sont rendus en banlieue, ben là, on leur dit, vous allez arrêter de servir de votre auto. Alors, on va vous mettre des taxes tellement élevées sur l'essence, sur tout, que ça va devenir impossible pour vous autres de survivre avec un auto. Ben là, ça marche pas, là. La transition écologique pour les riches, là, ça peut pas marcher, le monde se révolte. C'est du gaz ou bien d'autres de la nourriture. C'est que les inégalités sociales sont tellement rendues grosses que... Elle nous rattrape partout, tu sais, dès qu'on... C'est bien beau, les beaux principes, là, mais c'est pour ça que je dis que derrière la transition écologique, là, sauver la planète, là, à un moment donné, là, faut descendre dans le concret. Et là, ça devient pas mal moins drôle, tu sais, pas mal moins poétique. Idéaliste, oui. Faut s'attaquer à des choses qui sont tellement énormes qu'on a presque envie de dire, au bout d'un certain temps, on n'y arrivera jamais. Le système est tellement puissant actuellement, le système a tellement ses tentacules partout qu'on sera jamais capable de faire marche arrière. Ah oui, par quel bout on va commencer, c'est ça? Parce que c'est pour ça que les vieux écologistes comme moi, là, parce que ça fait longtemps, et souvent sont très pessimistes. Parce que disent, bon, le système, moi-même, je préconise que la clé de tous ces changements-là soit la réforme de la démocratie, c'est-à-dire de redonner le contrôle des citoyens sur les décisions collectives. Parce qu'actuellement, les citoyens n'ont aucun contrôle. Et c'est les gens qui ont l'argent, les gens qui polluent, qui détruisent l'environnement, qui prennent les décisions. Alors, c'est sûr qu'ils nous amènent dans le trou. Alors, quand je dis ça, là, les gens disent, ben, voyons donc. On sera jamais capable de créer des démocraties dans nos sociétés où ce sont les gens qui décident. C'est le pouvoir de la finance, le pouvoir des multinationales est ben trop gros. On sera jamais capable. Comme moi, je lutte beaucoup sur les questions agricoles. Alors quand là, on parle beaucoup des pesticides en ce moment, là, les gens disent, pas de bon temps, faut arrêter ça. Pourquoi est-ce que le gouvernement bouge pas? Ben oui, parce que Monsanto, c'est plus fort que le gouvernement. Hein? Et l'UPA, c'est plus fort que les gens qui se promènent dans la rue en ce moment. Les 150 000 jeunes qui étaient dans la rue hier. L'UPA, ça a le pouvoir de faire plier le gouvernement sur les questions agricoles. Donc, ils ont plus d'employés que le modèle d'agriculture dominant en ce moment que défend l'UPA, c'est un modèle de production qui ne peut pas se faire sans les pesticides. Les pesticides sont obligatoires, sont nécessaires. Ça fait que si tu veux enlever les pesticides, il faut que tu changes tout le mode de production. Il faut que tu reviennes à une production beaucoup plus respectueuse des mécanismes des écosystèmes, écologiques, quoi.
Alors, c'est sûr que là on va, on est-tu capable de faire ça, tu sais, de les faire changer? Tu sais, c'est tellement énorme, les tentacules et le pouvoir de cette machine-là, parce qu'ils ont l'argent, ils ont tous les mécanismes de décision entre les mains. C'est, on est dans un état d'impuissance face à ça. Absolument désolant. Croyez-vous qu'aux États-Unis, ils sont en train de mettre fin à cette, comment ils appellent ça, là, le marais, la swamp, le deep state qui contrôle beaucoup les Clinton qui sont si riches et puis toutes. Non, Croyez-vous aux à ça? États-Unis, c'est sans doute l'État, la démocratie, entre guillemets, où le pouvoir des riches est le plus fort. C'est les riches qui vraiment qui décident. Quand tu dis que tu peux pas être représentant au Congrès, à moins d'être millionnaire, c'est vraiment une oligarchie, là, Ça, c'est parce que je voyais sur une plutocratie totale. votre page Facebook est affichée le We the People. Ouais. Oh oui, c'est le C'est ça. paradoxe, hein? C'est le grand Oui. paradoxe, c'est que c'est eux qui ont créé le code, le concept de la démocratie moderne, à bien des égards, pas tout seul quand même, il y a eu la révolution de choses. Mais seulement très vite, ça a été une démocratie des riches. C'est-à-dire, on a enlevé la souveraineté du roi, mais ceux se sont emparés de la souveraineté, c'est les riches. C'est la bourgeoisie. C'était les grands producteurs de coton, les grands industriels de l'époque, les esclavagistes et tout ça, t'sais. Alors, ça n'a jamais cessé. C'est encore plus vrai même que jamais. Dans ce sens-là, la démocratie d'origine a été très vite récupérée par la classe qui avait de l'argent. La nouvelle classe dirigeante, qui était les bourgeoisies qu'on appelle, les industriels, les finances, les gens qui ont le pouvoir de l'argent. Et ça a Finalement, on sait. créé, ça a abouti à aujourd'hui à une société totalement inégalitaire, où les inégalités sont de plus en plus insupportables et où les décisions des parlements sont totalement contrôlées par les pouvoirs de l'argent. Absolument. Bien sûr, nos hommes politiques ne sont que des marionnettes. On va espérer en tout cas qu'il y a un filon parce que moi, je suis une optimiste, puis je sais que dans le monde, il y a des gens comme vous, il y en a d'autres qui réfléchissent, puis qui sont conscients et puis qui sont pragmatiques. Et d'après moi, il y aurait une réunion de ces gens-là de plusieurs pays, sinon de continents, sinon de je sais pas quoi, mais qui mettraient leurs efforts et puis qui prendraient en main et qui n'auraient pas leur Non, mais intérêt personnel. il faut le faire dans nos milieux, tu sais, c'est dans nos Oui, dans nos milieux milieux aussi. qui sont à notre mesure qu'on peut souvent faire avancer ces choses-là. Moi, je dis, écoute, il faut pas. Moi, je suis pas pessimiste, je suis très réaliste sur les difficultés puis l'impuissance devant Oui, laquelle on se trouve, mais vous seulement, savez à faire. moi, ma job, c'est de faire tout ce que je peux. C'est le C'est ça. résultat, je ne le contrôle pas parce qu'il y a trop, il y a Exact. énormément de facteurs qui interviennent dans le résultat que je contrôle pas. Mais moi, ce que je peux contrôler, c'est ce que je peux faire moi pour comprendre les choses correctement, puis les expliquer correctement, puis agir correctement. Une fois que ça c'est fait, ben, C'est en mon pouvoir. Puis quand on comprend les choses correctement, on a déjà un grand bout de chemin de fait. Quand Absolument. on va pas bien dans notre santé, par exemple, tant qu'on n'a pas un diagnostic précis puis qui est clair et qu'on sait à quoi s'attendre et quels sont les moyens qui peuvent être utilisés, on est malheureux. Mais du moment, même si c'est un cancer, finalement, au bout de la ligne, qu'on nous apprend qu'on doit combattre, une fois qu'on le sait, on est déjà beaucoup plus avancé. Oui, et c'est vrai ça me fait terminer en disant il y a un phénomène, l'anxiété, qui est très, très répandue et dont on ne parle presque pas. Puis l'anxiété est souvent causée par un manque d'information. C'est ça. Et oui, et ça, je pense que les gens en souffrent bien silencieusement dans leur petite chaumière, là.
parce qu'on les informe pas ou on les informe mal. Alors, moi, j'espère juste qu'ils vont être bien dirigés, comme les gens vers vous, là, allez vous Oui, lire sur c'est votre page Facebook et dans votre livre quand vous allez sortir, puis dans une autre entrevue quand je vais vous rappeler. Eh bien, mais on Je vous s'entend bien. remercie. On Oui, s'entend on bien. s'entend bien. Oui. Alors, Je merci beaucoup. suis vraiment. Bienvenue, bienvenue, puis merci à vous de votre générosité. Bonne D'accord. continuation. Au revoir. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.